Salut tout le monde, Yannick des Chasseurs des îles, venu faire un petit tour à la maison. Oups, contre-jour. Je suis venu faire un petit tour à la maison du Marais. Première journée de congé, première journée de vacances. Fait que je suis venu me promener un peu, voir de quoi ça avait de l'air. L'eau a monté beaucoup, ça. L'eau a monté beaucoup avec les grosses pluies qu'on a eues. Puis ça a gelé de même. C'est vraiment pas bon pour nos chevreuils. Vraiment pas. C'est vraiment, vraiment pas la condition idéale. Ça a glace, ils se déplacent pas vite, ils ont de la misère à marcher. Puis, ça va rester de même tout l'hiver, dans le fond. Fait qu'ils vont être sur un fond de glace. Quand les coyotes ou n'importe quel prédateur court après, ben, ils sont désavantagés, ça a glace. Ils n'ont pas de griffes, c'est des sabots. Ils sont désavantagés quand ils pognent des spots de glace. C'est pas un bon début d'hiver en espérant qu'il y ait de la neige qui va recouvrir ça pour leur permettre de mieux se déplacer. Pas trop de neige, mais qu'il y ait une neige pour recouvrir ça. Parce que ça, c'est vraiment pas une bonne température pour eux autres. Puis le secteur où ce qu'on chasse, hein, pas mal comme ça partout. Ils vont, tu sais, c'est sûr, ils vont se tenir ses buts plus haut, hein, mais pour se déplacer, ça regarde pas bien. Mais bon, on sera pas pessimiste. Je vais vous montrer, je vais à tour, observation qui était faite. Un petit milieu. Qui était faite, je pense que c'est Rino Tinto, c'est une compagnie de la région qui a fait la tour d'observation. Prochaine vidéo, je vais être dans le tour d'observation, je vous montre ça. Bien, la vue de la tour d'observation. À la maison du Marais à Saint-Anne-de-Sorel. On les voit pas là, mais les îles où ce qu'on chasse sont dans cette direction-là, plus loin. C'est la baie de la Vallière. Elle est toute gelée.